Salut Montréal! On espère que vous passez un bon temps des fêtes. De notre côté, nous, on s'est bien reposés et là, on boit à votre santé du eggnog. C'est la première fois qu'on va essayer ça. Les deux. Fait que cheers, Maryse! Cheers, Vémo! Notre récompense pour nos jeux. Oui, c'est ça, on a un jeu à vous proposer. Maryse, explique ça à nos auditeurs. C'est inspiré de La Fureur. Wouhou! Avec Véronique Loutier. Nostalgie. Pour vous donner un exemple, il y avait une chanson qui jouait. La personne devait chanter les paroles et à un moment donné, ça coupait. Fait là, il n'y avait plus de chanson, mais la personne devait continuer de chanter et là, quand la chanson réembarquait, tu devais être au même endroit. J'ai choisi le 23 décembre de Beau Dommage. Pour faire hommage à mes parents. Dans la tête, un vieux sapin, une crèche en dessous. Un Saint-Joseph avec une crèche. Ah! On a capté. Avec frette. Quand on est dansé 3 heures dans un igloo. Quand je devais faire 2 ou 3 gauches chez Guirondou. Dans les yeux, une sorte de jeu. Avec des beurs. Elle était mal faite, non? Puis j'avais frette. Non! Non, c'est pas ça! Et Maryse chante une chanson clairement acadienne. Parce que nous, on connaît pas ça ici. Oui, les 2 jours de Noël, il y a plusieurs personnes qui la chantent. Mais là, c'est la version acadienne. Ok. C'est parti? Oui. Mais de poutine râpée. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a donné 2 becs de mou, puis un gros mousse de poutine râpé. Le troisième jour de Noël, mon amour m'a donné 3 six-packs frettes, 2 becs de mou, puis un gros mousse de poutine râpé. Le quatrième jour de Noël, mon amour m'a donné 4 heures en fumée, 3 six-packs, 2 becs de mou, puis un gros mousse de poutine râpée. Le cinquième jour de Noël, mon amour m'a donné 5 têtes de sang, 4 heures en fumée, 3 six-packs, 2 becs de mou, puis un gros mousse de poutine râpée. Et si facile à faire, peut vous donner des moments de fou rire comme ceux-là en famille ou entre amis. Et aussi, mis à part nos suggestions de jeux, on vous suggère aussi quelques items clés pour le jour de l'an, notamment pour les célébrations. Alors, tout d'abord, le maquillage de Maryse. Donc, c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure, un petit peu plus tôt en soirée. Et j'ai utilisé un item que je voulais absolument vous présenter. C'est ça ici, c'est le Dior Glow Maximizer. Vraiment là, c'est fou comment ça fait la différence dans un maquillage parce que ça te donne un teint bonne mine. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un petit peu. Tu l'appliques ici là, juste en dessous des yeux et puis ça te donne toute la différence dans ton teint très illuminé. Et moi de mon côté, pour ce qu'on est du côté fashion, c'est sûr et certain que soit vous pouvez aller vous acheter un article en magasin ou même il y a plein de gens qui ont ça dans leur garde-robe. C'est juste que vous l'avez acheté puis vous l'avez jamais porté puis vous faites comme « Ah, pourquoi j'ai acheté ça? » Mais c'est temps de la sortir! Alors de quoi je parle, c'est les pièces en plein de brillants, des paillettes, vraiment là, tout ce qui shine. Alors comme vous voyez ici, Véro a mis la veste Véro Moda. C'est 2 tons de paillettes. Alors autant blanche, là il y a un mélange, mais vous pouvez voir, ça c'est blanc, ça c'est silver. Et pour ceux qui sont moins intéressés de le mettre au-dessus, on peut aussi le mettre en dessous. Comme vous voyez ici, moi j'ai une petite camisole avec plusieurs paillettes qui vient aussi de chez Véro Moda. Fait très bonne adresse pour aller trouver des petits morceaux pour compléter vos looks des fêtes. Le prochain vlog qu'on va vous présenter va être en 2016. À la nouvelle année. Alors, on vous invite de nous suivre sur les réseaux sociaux, autant en 2015 qu'en 2016. Ibéro, sur ce... Hey, sur ce, un gros cheers et très bonne année à vous tous. Reposez-vous bien et puis revenez-nous en forme pour l'année 2016. Cheers!